Si t'aimes ta voix, dis c'est mon Dieu que l'aime, c'est mon Dieu que l'aime. Dis c'est mon Dieu que l'aime, c'est mon Dieu que l'aime. C'est mon Dieu que l'aime, c'est mon Dieu que l'aime. C'est pas l'église qui l'aime. Non, 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 non. C'est pas l'église qui l'aime. C'est pas l'homme qui l'aime. C'est pas Sammy que l'aime. C'est pas Sammy que l'aime. C'est pas maman que l'aime. C'est pas papa que l'aime. Mais c'est mon Dieu qui l'aime. Est-ce que des gens là qui c'est mon Dieu que l'aime? Des gens qui dans l'église là, c'est révélation le ciel bas. Pour venir dans l'église à Fontis. Des gens qui là, c'est l'entendu le ciel bas là. Des gens qui là, c'est prophétie mon Dieu là. Ou pas là, parce que comme vous qui te relève, ou pas là, parce que comme vous qui t'a étudié avec, mais le ciel relève, qui t'aime tant d'appeler aussi. Alléluia! Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, salut. Ou suivre une série de messages qui est pour titre L'Église vit encore. Oui, bon Dieu, fais-nous connaître que l'Église, c'est lui-même qui crée, c'est lui-même qui met les, et en dépit des difficultés que l'Église a rencontrées, l'Église triomphe et triomphera toujours. Nous souhaitons qu'on bénisse dans le message ça, et nous souhaitons que bon Dieu visite vous et fasse beaucoup de bien. À nous la prière pour nous entrer dans la parole, bon Dieu. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our heart in prayer. Without a doubt, we know that we have been revived when we shall leave this place. This song called Sweet Holy Spirit. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our heart in prayer. Without a doubt, we know that we have been revived when we shall leave this place. Notre Père et notre Dieu, alors que nous allons ouvrir le Saint-Livre pour entendre ta parole et ton enseignement pour nous ce matin, nous nous recommandons à toi et à l'action de ta grâce. Nous reconnaissons que nous sommes rien sans toi et que c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Moi, m'en dis, pour capable paraître avec force et puissance, pour capable parler au cœur de tes enfants et bailler rassurance. Ou avoir fait pour nous au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. C'est la prière adressée devant avec pardon péché nous. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Moi, invité à ouvrir Bibou dans l'évangile selon Saint Matthieu, lecture qui a été faite certainement par ancien Phipps, mon cher. Nous sommes à Matthieu chapitre 16. Et m'a seulement lu partie m'bralité sous l'IA parce que et ancien Phipps a déjà fait la lecture. Nous sommes à Matthieu chapitre 16. Et le texte qui nous intéressera pour ce matin, c'est le verset 18. Mais qui sa parole, bon Dieu, a dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, fais-nous comprendre parole, dans nos Jésus, nos prières. Amen. Jodi a m'a enseigné beaucoup plus que me prêcher. Et nous revenons à la charge dans la deuxième partie
de cette série de messages qui a pour titre « The Church Still Lives », l'Église vit encore. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, le mot « Église » apparaît pour la première fois en Matthieu 16, verset 18. Il réapparaîtra à deux autres occasions en Matthieu 18, verset 17, un contexte bien différent où Jésus enseigne sur la manière d'aborder un frère errant. Pour la première fois, le mot vient suite à deux interrogations qui sont en réalité une seule question. Qui est Jésus? Le sujet de l'identité de Jésus a déjà été l'objet de débats et controverses tant dans l'aristocratie religieuse que parmi le peuple. Il y avait plusieurs théories qui circulaient sur sa personne. Certains disaient qu'il était Jean, d'autres Élie, d'autres Jérémie, d'autres encore l'un des prophètes qui est revenu à la vie. Si l'élite religieuse ignorait sa véritable identité, si les foules méconnaissaient sa vraie nature, cela ne devrait pas être le cas pour ses disciples. Jésus les entraîne donc sur un territoire éloigné. À 40 kilomètres au nord de la mer de Galilée, sur la base du mont Hermon, dans un lieu appelé Césarée de Philippe, et là, il soulève la question de son identité. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, comprenant qu'une telle connaissance ne peut être acquise par la science ni par la réflexion, ajoute aussitôt, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce passage est l'un des passages les plus controversés de la Bible. Il est à l'origine de beaucoup de désaccords. Ce fait est sans doute expliqué par la sémantique du texte où Jésus fait un jeu de mots avec le vocable « pierre ». En français, le texte se lit ainsi. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Mais dans le grec biblique, deux mots sont utilisés pour Pierre. Une meilleure lecture serait donc « Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, ou sur ce roc, je bâtirai mon église. » Pierre, Pétros, c'est le nom de Pierre, nom propre de personne ou bien nom commun de personne. Mais Petra, ça c'est quelque chose. Petra signifie littéralement un rocher, un roc, une grosse pierre. Donc Jésus dit, non c'est Pierre, mais sous gros tonton roche ça, m'a bâti l'église moi. Nos frères catholiques interprètent ce roc comme la personne de Pierre, le disciple de Jésus. Pierre, dans cette compréhension, serait donc le premier pape ouvrant une succession apostolique. Jésus aurait donc, par cette interrogation, institué une lignée ininterrompue de successeurs à Pierre et aux autres apôtres jusqu'aux évêques en fonction actuellement dans l'Église catholique romaine. C'est leur compréhension. Et voilà pourquoi on dit, jusqu'à présent dans l'Église catholique, on parle de l'infaillibilité pontificale. On croit que le pape les sortit directement de la lignée de Pierre qui est le premier pape. Et cette compréhension est basée sur ce passage de l'Écriture. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Donc, deuxième compréhension, c'est la compréhension ou l'interprétation protestante commune qui dit que alors que Pierre est Pétros, une petite pierre, Jésus est Petra, le rocher solide, le rocher sur lequel l'église est bâtie. Donc là, il n'y a pas ouais que c'est Pierre qui est le fondement, la base, ce sur quoi l'église se repose, mais on dit plutôt que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est une deuxième compréhension de la tradition protestante. Mais il y a une troisième compréhension qui nous interpelle. Et cette question toujours dans la tradition protestante,
ils ont expliqué, ils ont mis en jeu une seconde interprétation populaire. Ils ont dit que le roc n'est pas Jésus, mais la confession de Pierre au sujet de l'identité de Jésus. Cette compréhension fait beaucoup de sens quand on considère de près le contexte. N'a pas songé que la question soulevée est dans le cadre de la de l'identité de Jésus. Donc, ils comprennent ni de la manière suivante. Ils dit comme ça que lorsque Jésus dit Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que Jésus veut dire au fait, c'est que quiconque fait la confession, quiconque reconnaît que Jésus-Christ est le Christ, l'Ibral fait partie de cette communauté que Jésus veut bâtir. Cette nouvelle communauté qui sera animée de l'esprit et marquée par l'amour. Cette communauté qu'on appelle Église. Et cela, comprenez bien, implique une rhétorique. Pour que l'Église l'a bâtie, pour que l'Église l'a campée, faut que moun que mon Dieu baille mandat pour prêcher. Qui t'aime tant de dire prêcher? Qui t'aime tant de dire prêcher? La mission première de l'Église est d'annoncer la mort, la résurrection, l'ascension et le retour de Jésus. Si qui amen, dit amen. L'Église n'a pas existé premièrement pour faire politique. L'Église n'a pas existé premièrement pour capable satisfaire besoins humains, pour capable vivre en communauté. La première mission de l'Église est d'annoncer le royaume de Dieu qui est venu nous trouver, qui s'est approché de nous dans la personne de Jésus-Christ. Donc cette rhétorique doit être au centre de tout ce que nous faisons. Jésus devient alors le point centrifuge de l'Église. Everything else is secondary. Our activities are secondary. The doctrines are secondary. Our ways of life are secondary. Jésus devient le point centrifuge de l'Église. Et la responsabilité du pasteur moderne est d'appeler l'Église à ce point centrifuge. Responsabilité de l'Église, c'est mettre la croix campée. Responsabilité prédicateur, c'est mettre la croix campée. Chaque fois que je viens de chez ça, c'est pas pour mettre connaissance moi en valeur. C'est pas pour mettre ma personne en valeur. Mais ma responsabilité, chaque fois que je me tiens derrière cette chair pour annoncer la parole, c'est pour me camper Jésus. Et puis tout me tend des chants cantiques là qui dit qu'au-dessus des peuples divers, la croix resplendisse, qu'au nom du Christ dans l'univers, que tous genoux fléchissent. Et puis tout me t'apprends, on dit mettez Jésus campé. Aïe aïe aïe, tu mettez Jésus campé. Ou même qui a suivi service là en ligne, vont te dire mettez Jésus campé. Responsabilité de l'Église, c'est camper Jésus. C'est camper dans le cas là, c'est camper dans le travail là, c'est camper dans l'Église là, c'est camper dans nos relations les uns avec les autres. Le sabbat ne vient pas avant Jésus. Le régime sanitaire ne vient pas avant Jésus. Doctrine éthique ne vient pas avant Jésus. Jésus est le centre. En nous mettez Jésus campé. Cela implique une rhétorique. Mais dans un deuxième temps, cela passe par la révélation. Tenez comment Jésus parlait à Pierre. Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce que tu viens de dire, cette confession que tu viens juste de faire, ce que tu as à peine énoncé, ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te l'a donné par révélation. My God. En d'autres termes, pour au monde contre qui est Jésus, son grâce pour bon Dieu faire. Son grâce pour le ciel faire. Ses voiles pour le retirer dans Géo. Son faveur particulière pour l'éternel accorder. Pour capable de Jésus. Pour qui il est. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
C'est pas deux mouns éduqués. C'est pas deux mouns savés. C'est pas deux mouns qu'on lit. C'est pas deux mouns qui font. Mais ils n'ont pas qu'à comprendre Jésus. Ils n'ont pas qu'à connaître. Ils n'ont pas qu'à well. Et on va poser des questions. Avec toute l'école, ça, nous ça aller. Avec toute grande université qu'elle fréquentait. Comment faire? Li pa wè l'autre côté pour le prendre plaisir, c'est dans la boue. Comment faire? Li pa wè l'autre côté pour le prendre plaisir, c'est dans le royaume. Comment faire? Li pa wè l'autre côté pour le prendre plaisir, c'est dans faire évocation pour loi à motel pendant sous monde, faire retirer chemise, né qui aller à la Sorbonne, né qui étudier gros côté. Comment le faire pas ka wè ça? C'est parce que en dans l'évangile, gen bagay intelligence pa ka ba ou. En dans l'évangile, que bagaille l'éducation pas kabarou. En dans l'évangile, que bagaille pour joindre c'est révélation. Qui t'aime dans notre révélation, révélation, révélation. Son révélation pour joindre, son révélation pour tendre, son révélation pour recevoir. C'est le ciel qui pour verger vous. C'est mon Dieu qui pour faire comprendre. Oh, t'es God, l'air a passé. Quand t'aimes ton pasteur fréquent, l'air a passé. Quand t'aimes ton pasteur aoué. L'air a passé, quand même ton pasteur se croit, parce que me rends compte que toute grâce que me gagne, c'est pas rien fait pour ça, c'est garder me garder moi-même comme ça. C'est grâce pour Dieu qui est dans la vie. Si je suis capable de prêcher l'évangile, c'est pas révélation. Si je suis capable de parler de Christ, c'est pas révélation. Si ma jeunesse, je l'ai donnée en grande partie à Dieu, c'est pas révélation. Levez-vous, dit révélation. Ça, l'église besoin jour et jeudi, c'est révélation. L'église besoin qu'on prie par révélation. L'église besoin qu'on prêche par révélation. L'église besoin agit par révélation. L'église besoin opérer par révélation. Toi, mec, opérer seulement sous connaissance. Toi, mec, opérer seulement sous intelligence. Nous besoin révélation. Levez-vous à dire révélation. Cela implique une rhétorique, mais cela passe par la révélation. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela implique, dis-je, une rhétorique, cela passe par une révélation. Et cela exige une réponse. Lorsque l'évangile est prêché, la rhétorique, lorsque la compréhension est venue, la révélation, cela demande un réagir, une réponse. Bon, dis ça encore. Lorsque l'évangile est prêché, c'est la rhétorique. Et que la compréhension vient par révélation. Cela demande un agir qui est une réponse. Bon, me dis ça encore. Lorsque l'évangile est prêché, c'est la rhétorique. Et que la compréhension vient par révélation. Cela demande un agir qui est une réponse. En fait, le mot ecclésia, le mot église du grec ecclésia, signifie littéralement the called out ones, ceux-là qui sont appelés. Donc l'église, c'est une communauté d'appelés. Ouf! L'église est une communauté d'appelés. Et il n'y a pas d'appel supérieur. L'ennemi n'a pas agressé l'église. L'appel que j'ai reçu, c'est l'appel que tu as reçu. L'appel que Samuel est entre guillemets, gros frère à recevoir,
C'est même appel là, ça n'est entre guillemets, si frère à recevoir. En d'autres termes, non, bon Dieu, pas un gros frère, ni pas un petit frère, pas un grand, ni pas un petit. Même appel, alléluia, qui ralème dans l'église là, même appel comme recevoir, c'est même appel là, ou recevoir. Maintenant, lorsque je n'appelle là, bon Dieu prend le bail des dons. Ça n'est pas le travail, ça n'est pas les fonctions, ça n'est pas les responsabilités. Mais base là, c'est appel là. Je ne comprends pas pour vous, mais comprenez bien, pour frère pasteur te dit, Johnson, si grâce qui est dans la vie ou là, si ton guerrier, c'est l'homme qui t'a venu, il n'y a pas ta venu, même dit bon Dieu merci, parce que si appel là, c'est l'homme qui t'a baillé, il n'y a pas ta bamoué, si appel là, c'est l'homme qui t'a baoule, il n'y a pas ta baoule, mais bon Dieu, relé. Tout le monde à la honte badé, nous t'en des paroles là dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère l'autre a dit, voler à notre quiconque. Frère l'autre a dit, malveillant à notre quiconque. Ou regarder à notre quiconque. Méchant dans tout ton clan, kidnappé dans tout ton clan, et regardé dans tout ton clan, depuis ce monde qui voulait. Donc si vous là, comprenez, raison qui fait qu'on là, c'est que vous appelle qui te fait. Colère ou pas contre bon Dieu, et tout le Seigneur te faut attendre la parole. Colère pas contre bon Dieu, et tout le Seigneur te faut au monde côté. Pas où yon étude biblique, lis parole à coup. Peut-être vous grandissez nos familles qui étaient déjà dans l'évangile et yon apprennent vous les saintes écritures. Mais colère qui vivait, c'est pas l'évangile maman qui a mené dans le royaume, c'est pas l'évangile papa qui a mené dans le royaume. Colère qui vivait, ou tendez la voix de Dieu, relève, c'est ça que fait m'entendre. Quand il te dit, j'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Donc, ton réponse qui te baille, ton parole qui te dit, ton entente qui te fait, je suis là sur l'appel de Dieu. Ça nous dit, pas mettre dehors. Ça nous fait, pas pousser. Parce que ce ne sont pas les hommes qui m'avaient appelé, mais j'ai reçu mon appel du Dieu vivant. Aïe, 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 qui t'aime tant de voix, dis c'est mon Dieu que l'aime, c'est mon Dieu que l'aime, dis c'est mon Dieu que l'aime. C'est mon Dieu que l'aime, c'est mon Dieu que l'aime, c'est mon Dieu que l'aime. C'est pas l'église qui l'aime, non, 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 non. C'est pas l'église qui l'aime, c'est pas l'homme qui l'aime, c'est pas son ami que l'aime, c'est pas son ami que l'aime, c'est pas maman que l'aime, c'est pas papa que l'aime, mais c'est mon Dieu qui l'aime. Est-ce que quelqu'un là qui c'est mon Dieu que l'aime? Quelqu'un qui dans l'église là, c'est révélation le ciel d'ailleurs, pour venir dans l'église à son fils. Quelqu'un qui là, c'est dans ton ami le ciel d'ailleurs, quelqu'un qui là, c'est prophétie mon Dieu d'ailleurs, ou pas là, parce que comme vous qui te l'aime, ou pas là, parce que comme vous qui t'es étudié avec. Mais le ciel relève qui t'aime tant de appeler aussi. Alléluia. Donc l'église devient cette communauté d'appeler. L'église devient cette communauté d'appeler. But stay with me now. Ils ne sont pas là seulement parce qu'ils sont appelés, mais ils sont là parce qu'ils ont répondu. Est-ce que tu mets bon l'évangile? Ou pas là seulement sur la base de l'appel, mais ou là parce qu'on répond. Prenez bien. Quel monde le Seigneur est, qui
pas répondre, non? Grâce, Seigneur. Qui vous le sait, relais? Il pas répondre. Il pas compris. La grâce de l'appel. Il pas comprendre. L'honneur que mon Dieu fait pour vous appeler. Vous ne répondez pas. Qui est Jodia? Quand moi je dois être poussé, c'est parce que je te tendais appel là et vous ne répondez pas. J'ai été prêché dans une église à Massachusetts et j'ai rencontré un type assez brillant, un brillant élément. Et puis il dit, pasteur, j'avais ressenti l'appel dès ma jeunesse. Et puis tout le temps, ça, il dit, avec une certaine fierté, mais qui trahit un remords profond. Il dit, mais j'ai résisté. Pendant ce menu-là, il fait parler avec bon Dieu. C'est pas parler côté merci Seigneur pour nous là. Non. Parler. Des fois nous-mêmes nous prier vaguement, mais qu'on dimension du parler avec Dieu. Et pendant ma parole avec bon Dieu, me dit Seigneur, ou ben moins capacité intellectuelle pour me t'ca en pile l'autre bagaille. Ou bénim pareil. Ou bon mes capacités intellectuelles pour être capable en pile l'autre bagaille. But you called me to the ministry. Et je vais vous dire la vérité. Des fois, le ministère est difficile. One of the things you must know about your pastor is that your pastor is transparent with you. Bagay moun pa djou mwen menm Abdou li. Et c'est ça qui fait en pile nan nou tomber dans deux extrêmes. Some of you love Pastor Johnson and some of you cannot stand Pastor Johnson. And that's okay. Sometimes ministry is hard. Sometimes my wife gives me hell for ministry. Madame moi bon gros problème pour ministère. Là moi vais la cala hier soir, moi bouche li presse et moi gétant connait ça qui fait bouche li presse là. C'est parce que me parler sous cross vaccin. Et moi ca comprendre ni c'est madame moi lié. Ça qui doit regarder, ça qui doit toucher lui. Les conseils des paroles qu'a dit, les conseils de remarques qu'a fait, moi ca comprendre ni. Moi ca rentrer dans dimension femme ni. Pour comprendre la réalité, ça. Ministry is not easy. Ministry is hard sometimes. I'm a witness. But God did not tell us it was going to be easy. L'autre bon Dieu te relève là. M'pas qu'on qui parle ou t'entende. L'autre bon Dieu te relève là. M'pas qu'on qui ça ou te dit. Mais là, je lis la Bible. Je t'en Christ dit comme ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vécu le monde. Sometimes I am discouraged. Sometimes I am distressed. Sometimes I am depressed. Mais chaque fois, je me souviens que ce n'est pas moi qui mets tête moi là. C'est mon Dieu qui relève. Chaque fois mon vie baille vague, chaque fois tu fais à monter, chaque fois chaleur a augmenté, chaque fois bagarre difficile. Nous souillons, comme mon Dieu est derrière. Nous souillons, nous te recevoir un appel. Et puis tu me dis, moi t'ai décidé pour me suivre le Seigneur. Moi pas tourner. Moi pas tourner. Le monde est donc. La croix de vos cieux.
le mot des dômes, la croix de vos yeux, le mot des dômes, la croix de vos yeux. Et hier soir, pendant que j'étais au lit, je parlais avec Dieu dans mon cœur. David déclarait, il dit pour ça, parlez en votre cœur sur votre couche. Ça veut dire, l'on couchait en haut d'eau pendant qu'on attend sommeil à porter ou aller. Parle à mon Dieu. Oui. Levez-moi, on l'a dit, parlez. L'on pas qu'à dormir. Parle qu'à le film pour nous. Parlez à mon Dieu. L'on pas qu'à dormir. Pas prendre téléphone pour les vieux amis. Parlez à mon Dieu. L'on pas qu'à dormir. Parlez quand on pas doit aller. Parlez à mon Dieu. Et hier soir, pendant que je parlais avec mon Dieu, dit Seigneur, nous sentis le monde trop près. Seigneur, nous avons des bagages qui sont pour attirer comme. Nous ne parlons pas en rien des priorités dans la vie. Oui, l'argent, pas de priorité dans la vie. Madame, pas de priorité dans la vie. Petit, pas de priorité dans la vie. Seul monde qui doit gagner la priorité dans ma vie. Seul monde que je dois penser avec les lever. Seul monde que je dois penser avec les coucher. L'irrelé, comment le relé? Mandez comment le relé? Sous pas qu'on non, comme d'où comment le relé? Yorelé, Jésus de Nazareth. Il est la postérité de la femme. Il est le Shiloh qui devait venir. Il est l'étoile que Naaman a vu. Que Naaman a vu. Que Balaam a vu. Il est la rose de Sharon. Il est l'étoile brillante du matin. Il est Alpha et il est Omega. Il est le premier. Il est le dernier. Il est le commencement et il est la fin. Donc le CRTVM du matin, Jésus est le centre de l'église. Il est le point centrifuge. La confession, très bien, la confession de la messianité de Jésus. La confession de l'identité de Jésus, c'est ce qui nous rassemble de toutes les races, de toutes les ethnies, de toutes les familles. Ou là, parce qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Cela réplique une rhétorique. Cela passe par une révélation. Et cela demande une réponse. Et ma question pour vous ce matin, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Le croyez-vous? This is my question for you this morning. Jesus is the Son of the Living God. Do you believe it? Bon, moi, mais tout le monde qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Bon, moi, mais tout le monde, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, sous couple, préparez-le pour chanter. Et peu de qui ça, mon Dieu dit. Bon, on a fini. Si tu crois de tout ton cœur, et si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et on l'autre côté, Luc, le médecin bien-aimé, dit comme ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Moi, crois à soi. Que tout le monde qui croit recevra la bénédiction et le salut au nom de Jésus. Sinon, mon béni qui t'aime dans dire Amen. Sinon, mon béni qui t'aime dans dire Amen. Nous espérons que nous avons été bénis par le message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens former monde
édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons, bon Dieu, remets-nous, nous remets tout. Bye bye.